Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de PancakeSwap qui, a 4 ans aujourd'hui, alors ces 4 ans, PancakeSwap aussi continue de faire de burn. Alors nous allons rentrer un peu dans ces détails tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons aussi de Shiba. Une fois de plus, le Shiba, voilà, le gouvernement américain détient une quantité, voilà, importante de Shiba. Alors, nous allons aussi faire notre commentaire là-dessus. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant tout propos, déjà parlons de notre partenaire déjà Quenex. Ensuite, nous allons entamer la capsule. Est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes deux en un. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot du futur. Vous pouvez faire aussi, voilà, du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest. Sans oublier aussi, voilà, que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un tant soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'un million de tokens sur son interface. Elle est très, 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 très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire. Une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce au produit qu'on appelle Quenex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec voilà, la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne voilà, vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur voilà, leurs fonds et l'assurance que leurs fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette. Après notre partenaire Coinex, nous entamons maintenant la vidéo du jour. PancakeSwap, c'est une plateforme décentralisée index créée en 2020. Aujourd'hui, PancakeSwap, en 2024, ça lui fait 4 à 4 bougies à souffler. Alors, PancakeSwap, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a fait beaucoup d'heureux. Alors, créé autour du 0,3023, il a culminé le bull market passé en 2021. Juste un an après sa création en 2020, il a fait 44 dollars à son ATH. Voilà, lors du bull market de 2021. Et donc, alors, quand quelque soit aujourd'hui, alors, est autour des 1 dollar. Alors, n'est-ce pas une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes? Alors, PancakeSwap aussi a mis des burns à l'intérieur de son protocole. Au départ, il y avait 1 milliard de tokens qui avaient été émis. Et ensuite, en décembre dernier, alors, avec l'approbation de la communauté, cette quantité a été réduite d'abord à 750 dollars, 750 millions de pièces, de 750 millions de pièces, avec encore l'approbation de la communauté. Alors, le supply total a été réduit à 450 millions de tokens. Alors, à l'heure de cette publication, on dira qu'il y a autour de voilà, 200 millions, voilà, qui sont déjà en circulation. L'un dans l'autre, PancakeSwap, au-delà de ça, aussi continue de faire des burns. Alors, la semaine dernière, PancakeSwap a brûlé 8 millions, voilà, de pièces. Alors, 8 millions de cakes ont été brûlés d'une valeur de, voilà, autour de, et voilà, à cette période-là, ça faisait 12 millions voilà, de dollars. Ensuite, le 12 août dernier, et voilà, ils ont brûlé 9 millions 9, voilà, 9 millions 9844 cakes ont été brûlés d'une valeur de 15 millions de dollars. Le 20 août, alors une autre quantité a été brûlée, c'était 9 millions 8 476 cakes qui ont été brûlés d'une valeur de, et voilà,
d'une valeur de 15 millions, voilà, à l'heure de cette publication encore. L'un dans l'autre, c'est beaucoup d'argent que Pancake Swap est en train de brûler au fur et à mesure. Et donc, quelqu'un qui, alors, déjà, est en train de préparer son bull market et la quantité qui a été brûlée, on va dire, en seulement dans ce mois d'août, peut déjà tourner autour de plus de 30 millions de dollars qui ont été brûlés au cours du mois d'août seulement, alors que déjà le mois de mars dernier aussi, nous avons fait une vidéo dessus, ils avaient brûlé 34 millions de dollars en termes de quantité de cake brûlé. L'un dans l'autre, pratiquement chaque mois, il y a une quantité énorme de cake qui est brûlé dans ce supply-là. Alors, l'un dans l'autre, tout ceci, c'est en prélude d'un bull market assez violent que le cake est en train de mettre en place. Alors, je vous laisse imaginer, voilà, ce que le cake pourra faire dans ce bull market. Alors, c'est 4 ans. Alors, c'est 4 bougies que le cake a fêté alors cette année. Alors c'est beaucoup d'innovations, beaucoup de jeux ont été faits sur Pancake Swap permettant aux uns et aux autres d'avoir des cakes et tout ça. Alors une quantité de 20 000 cakes aussi ont été distribués dernièrement aussi à tous ceux qui sont dans le staking sur le cake là-bas l'un dans l'autre sur Pancake Swap. Alors c'est la fête actuellement. Alors aussi, il faut le dire, la Côte d'Ivoire est toujours sur cette impossibilité de se connecter. Alors, on vous a montré déjà la vidéo ici, vous montrant comment il faut se connecter. Alors, avec un VPN, vous pouvez accéder à votre compte PancakeSwap. Alors, vous pouvez avoir plus de détails dans la vidéo que nous avons déjà fait là-dessus. Alors, autre information, alors il s'agit cette fois-ci de Shiba. Shiba, le gouvernement américain détient une quantité importante de Shiba. C'est une révélation qui est très surprenante. À plus d'un titre, 54,8 milliards, voilà, en Shiba qui est détenu dans le portefeuille, voilà, lié, voilà, au gouvernement américain. Alors, sur 100 crypto-monnaies qu'ils détiennent dans ce portefeuille gouvernemental. Alors, pourquoi du Shiba à l'intérieur de ce portefeuille? Pourquoi du Shiba? Le Shiba, voilà, à l'heure de cette publication, le Shiba, la valeur du Shiba qui est détenue, ça fait 729 581 dollars. Voilà, les 57 milliards de Shiba. Alors, l'un dans l'autre, voyant que, voilà, l'un des pays les plus puissants, pour ne pas dire le pays le plus puissant du monde, alors qu'il détient des crypto-monnaies, il a des bitcoins, mais il a du Shiba. Alors, est-ce que cela ne parle pas aux uns et aux autres? Alors, toi qui continues, alors, de vilipender cette crypto-monnaie, le gouvernement américain, ils n'ont pas d'experts en analyse de crypto-monnaie, ils n'ont pas d'experts pour vérifier les crypto-monnaies qui ont une longévité. Il va foutre quoi avec un même coin qui n'a pas une valeur dans son portefeuille? Alors, vous devez comprendre là déjà que, voilà, vous vous êtes trompé, vous les détracteurs, vous vous êtes trompé. Si le gouvernement américain, dans son portefeuille, garde du Shiba, alors on vous a déjà dit, c'est comme si on est en train de dire une baleine a accumulé une certaine quantité de Shiba, alors c'est en prélude de quelque chose. Les baleines, ils mettent de l'argent dans quelque chose, c'est pour avoir aussi quelque chose. Alors, on vous a toujours dit aussi, suivez la trace de l'argent. Alors, la trace de l'argent va où? Va vers le Shiba. Alors, toi aussi, tu dois accumuler le maximum de Shiba que tu peux accumuler pour que ce bull market, même si tu es un détracteur, il faut laisser ça, il faut chercher de l'argent. Parce que c'est l'argent qu'on cherche à la fin. Si c'est là, peut te donner de l'argent, prends ça. Si Bitcoin peut te donner aussi, prends. Si le cake peut te donner, prends. L'un dans l'autre, partout tu peux prendre un peu d'argent, prends. C'est ce qui est important. Mais on est en train de dire ici, le Shiba avec tous ses fondamentaux-là. Voilà, on a fait la vidéo dernièrement. Si le développeur qui parlait, voilà, du Shiba, alors le Shiba qui prépare, alors le prochain, on va dire, voilà, Walt Disney. Alors, l'un dans l'autre, alors c'est une marque déposée qui est en train de voir le jour. Et donc, faut pas attendre alors, que ça arrive d'abord avant d'y croire. Voilà ce que je peux donner comme conseil aux détracteurs. Alors,
Quand nous voyons toujours ce portefeuille, alors le Shiba occupe la 19e position sur les 100 crypto-monnaies. Alors vous voyez, sur 100 crypto-monnaies, le Shiba est en 19e position en termes de valeur. Voilà, dans ce portefeuille, les crypto-monnaies qui sont dedans, en termes de valeur, le Shiba occupe la 19e place. Alors tout ceci doit vous interpeller et vous donner à réfléchir sur le Shiba et à réfléchir sur cette crypto-monnaie et tous les fondamentaux qu'il a mis en place et tout ce qu'il peut faire dans ce bull market et aussi dans le futur. Voilà ce que vous devez comprendre sur l'actualité actuelle du Shiba et en fait de toutes les autres crypto-monnaies. Parlons rapidement aussi des Hamster Combat. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'informations sur la date alors de paiement. Voilà. Docs aussi, voilà, qui est aussi dans la même lignée aussi. Bientôt, voilà, les gens qui sont sur Binance vont pouvoir trader ça parce que déjà vous pouvez faire les dépôts. Voilà, nous n'avons pas fait des vidéos sur cela, mais alors nous suivons aussi l'actualité de ça aussi. C'est vrai que c'est, on peut pas parler de tout ici en même temps. Alors, l'un dans l'autre, ceux qui essaient de sortir le nez, alors on va vous dire, voilà, que voilà, bientôt aussi vous allez pouvoir trader aussi. Voilà, ce même coin, on va dire aussi. Sur Binance aussi, l'un dans l'autre, les mêmes coins, voilà, tout ceci dit que les mêmes coins, on le vend en poupe. Ils arrivent et ils damnent le pion même à certaines crypto-monnaies dites consolidées qui ne sont même pas encore listées sur Binance et ils arrivent à cause de leur communauté, à cause de l'efficacité publicitaire, à cause de l'adoption. Alors, les plateformes n'ont pas le choix que de les lister. Voilà, Hamster Combat, donc nous attendons, voilà, mais l'un dans l'autre pour Hamster Combat, continuer de faire plus d'activités. Voilà, il y a des nouveaux jeux même qui ont été ajoutés à ceux qui existaient. Voilà, je crois qu'on doit être autour des 5 jeux qui ont été ajoutés maintenant. On est autour des 5 jeux maintenant pour avoir les clés. Alors, vous prenez le maximum des clés. Alors, puisque eux-mêmes le disent, les clés vont jouer un rôle important dans le airdrop. Donc, ayez beaucoup de clés. Continuez de tapoter l'un dans l'autre. Je sais que beaucoup de personnes vont se décourager parce que le airdrop qu'ils attendaient n'a pas eu lieu. Mais tout ça aussi, ça peut être une stratégie aussi pour décourager plus d'un. Et après, on va venir dire, bon, toi, tu as 20 heures dans le jeu. Toi, tu as 100 heures dans le jeu. Toi, tu as 200 heures dans le jeu. Toi, tu as 1 heure ou tu as 2 heures dans le jeu. Donc, toi, tu es éliminé parce que tu n'as pas beaucoup d'activités, beaucoup d'heures dans le jeu. Ça aussi, ça peut être un critère d'élimination parce que plus de 300 millions de personnes, soyez-en sûrs que beaucoup seront éliminés. Voilà. Donc, soyez vigilants. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce cette actualité. Pour ceux qui viennent faire les formations, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la formation au niveau d'Abidjan, alors c'est prévu le 2 novembre prochain. Vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill le leader, Georgette le leader, Elisabeth. La formation, voilà, dans ce mois-là, c'est celle du Burkina et c'est prévu le 30 et le 31. Voilà, le 30 et le 31 août, allez interagir avec le leader qu'on appelle Alassane. Pour la formation en ligne, vous avez déjà l'information. Le numéro se trouve dans la description. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.